Coucou tout le monde, ben on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous faire une vidéo sur mon rangement de tout et n'importe quoi. Donc je vais vous montrer les trucs des ongles, mes boucles d'oreilles et mon maquillage. Alors on va commencer par le truc prioritaire. Donc c'est un meuble avec mon miroir. Voilà. Il est comme ça. Ma tête à coiffer. Là, on a le scotch pour les délimitations. Les crayons jumbo. Les rouges à lèvres. Les pinceaux. Ensuite, là, c'est les mascaras. Un peu de tout et n'importe quoi. Là, c'est pareil, des fards à paupières. Ensuite, là, j'ai des petites palettes. Tout le tiroir est rempli. Après, ça, c'est tout. Les eyeliners. Je sais pas si on va bien voir. J'ai le tiroir rempli d'eyeliner. Ensuite, donc, ceux-là, c'est les nouveaux de chez Sephora. On va les tester. Ensuite, là, c'est les crayons. Après, Activir, hein, au cas où, bouton de fièvre. Ça, c'est une crème que j'ai achetée chez Sephora, réparateur de peau. Ensuite, donc il y a tous les crayons. Là, coton-tige oblige. Ensuite, des petites palettes de nouveau. Donc là, il y a ma laque. Ensuite, ça, c'est une bonbonne d'eau. Donc, je me mouille la frange pour la faire correctement avec le sèche-cheveux et la brosse qui vient de tomber. Alors, ensuite, là, donc moi, j'ai une palette comme ça pour la base. Hein. Donc, c'est une palette pour enfants. Donc, je la laisse là. Ensuite, dans des boîtes à chaussures, j'ai tous mes pigments. Et encore d'autres maquillages. Et au fond encore, on verra pas, j'ai encore une boîte. Ensuite, ça c'est la machine UV pour les ongles. Dans la boîte, il y a tout le nécessaire pour ongles. Là, c'est une boîte à bricolage. Là, nous avons les démêles en cheveux. La crème raffermissante. Et puis, la boîte d'échantillons. Ensuite, un petit tiroir avec des dissolvants. Palette. Là, j'ai racheté un truc pour ma base, comme c'est bientôt carnaval, donc ils en ont à 1 euro à Jiffy. Donc, et franchement, c'est top. Ensuite, là, j'ai ma grosse palette. En dessous, j'en ai encore une. Et celles-là, elles sont trop jolies. C'est des petites valises, en fait. Je les ai trouvées en solde à Monoprix à Colmar. Donc, on les ouvre. Oups. Et dedans, il y a un mascara, un eyeliner pailleté et puis 4 fards à paupières avec le miroir. Voilà, donc j'ai été obligée de prendre les deux. J'ai pris celle en vert et celle en jaune. Voilà. Ensuite, deuxième tiroir, j'ai des trousses de toilette inutilisées. J'ai une trousse de toilette avec tous mes pigments de chez eBay. Ensuite, j'avais eu des fossiles. Et puis, j'ai mes pigments Miss Rose. Et à côté, toutes mes palettes Sleek qui sont juste bien dedans. Ensuite, on va passer au rangement. Ça, c'est une boîte avec tout et n'importe quoi. Là, ce que mes... C'est mes petits achats faits là maintenant, mais je sais pas encore où les ranger. Donc ça c'est des trucs de chez Sephora. Une base. Plein de choses. Donc je vous montre tout en gros. Et si jamais il y a des... Quelqu'un veut plus de détails, ben... qui me le disent et je ferai une vidéo spéciale sur les détails. Ensuite, dans des boîtes à chaussures encore, j'ai tous les vernis numérotés. Donc j'ai deux boîtes pleines, je crois que j'en ai 130
les vernis à ongles. Là, les petites lingettes. Dans cette boîte à chaussures, il y a tous les extensions. Toutes les extensions de cheveux. Cette boîte, on s'en fout, c'est la boîte à poissons où il y a tout leur manger et tout. Bon, ensuite, ça, c'est je sais pas comment ça s'appelle, mon petit meuble en plastique avec tout le nécessaire à coiffure, parce que je vais repasser mon CAP coiffure que j'ai raté de 0,75 points l'année dernière. Donc j'ai vraiment tout ce qu'il faut, produit, tout avec les caps et tout ça. Et ça, c'est ma trousse quand je vais couper les cheveux à domicile. Donc j'emmène cette trousse, il y a tout, il y a mes ciseaux, il y a tout. Ensuite, dans cette armoire, eh ben, il y a le nécessaire à ongles à UV. Donc j'ai mes capsules. Tout plein de boîtes de capsules. J'ai les décos de paillettes. Et puis j'ai mon petit meuble avec pareil des décorations, les limes et tout ce qu'il faut. Et puis les gels. Voilà, donc je crois que c'est terminé pour tout ça. Ah non, j'ai oublié les boucles d'oreilles. Je vais vous montrer tout ça. Pour les boucles d'oreilles, ben elles sont là. Et puis là. Mais il faut que je trouve quelque chose pour les ranger. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, elles sont en carton. Et c'est dommage pour elles. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez une vidéo sur quelque chose de détaillé, n'hésitez pas. Je vous ai montré en gros tout ce que j'avais. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à bientôt. Ciao !